Voilà, jour de confinement numéro 15 et c'est l'heure du premier bilan. Like a virgin, sort de la satanas. Moi, je deviens taré. Tu rigoles ou quoi? Je suis sûrement le plus constant de tout le confinement. Test, 1, 2, 1, 2. Bon, écoute, t'as raison. Au début, c'était marrant, mais là, je pète une quille. Le premier jour, ça se passait bien. Je redécouvrais la maison. Et aujourd'hui, je la connais par cœur. Je pourrais te la revendre en moins d'une heure. Je te jure, hein, je commence à faire n'importe quoi. Bonjour, Adit. Je me sens tellement seul que je discute avec les murs. Ça va, toi? Tu tiens le coup? Tu termines ta dernière fissure? Et tu sais, j'en discutais avec le parquet. Et franchement, t'as toujours été un mur porteur. Si tu savais à quel point je t'aime, quoi? Qu'est-ce que tu murmures? Je me suis même surpris en train de parler en allemand avec mes plantes. T'as den Flut, den Lichtenblick. Tiens, t'es au courant que la voisine a quitté son mari? Ouais. Il s'est fait contreplaquer. Contre... Hein? Aïe, aïe, aïe. Je crois que je deviens zinzin. Je réponds même aux oiseaux. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vers 15h30, je dirais. Par contre, si un jour les dirigeants, ils annoncent une troisième guerre mondiale, ben ils vont être surpris. Mes amis, nous sommes en guerre. Ouais, la guerre. Et il va falloir se battre. Ouais, on va se... Hein? Comment ça se battre? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? J'ai l'impression de revivre tous les jours la même journée. Je m'ennuie tellement que je me dispute avec moi-même. Tu me dégoûtes, t'es moche. Va te laver, tu pues. Avant, les journées, ben, elles étaient cool, hein. Écoute, j'en ai pas le temps. Moi, à 14h, j'ai paintball, puis je fais un aller-retour sur Paris, et ce soir, j'ai l'anniversaire de Nico. Maintenant, mes journées, elles puent du cul. J'ai fait un petit caca aussi à midi. Ouais. Oui, je sens que ça va mieux. C'était des coliques, hein. Ma vie est nulle. Je me suis même inventé une copine. Petit bébé, je vais nous faire à manger. Tu sais que maintenant, je connais même le rythme de la rue par cœur. Attention, le voisin va éternuer. Le chat va râler. Et sa femme va jouir. 3, 2, 1. Voilà. Mais si moi j'étais normal avant le confinement et que je suis devenu fou, imagine le voisin d'en face qui est taré de naissance, comment il est aujourd'hui? J'avoue que pour le moment, je perds un peu mes repères. Hier, hein, j'ai joué toute la journée avec le chien, alors que j'ai pas de chien. Sinon, globalement, je vais bien, hein. Si, je t'assure. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas, quand... Coronavirus. Mais non, je ne deviens pas fou, bon sang de bonsoir. La pendule de l'entrée s'est arrêtée ce midi.